Il lui tiendra tête jusqu'au bout. John McCain s'est de nouveau opposé au président américain Donald Trump et à son propre parti qui veulent abroger l'Obamacare. Un texte de la dernière chance devait être soumis à la Chambre haute avant le 30 septembre, date de fin de l'exercice budgétaire. Mais ce vendredi, le sénateur républicain a annoncé qu'il ne suivrait pas le vote de son camp. John McCain, si vous regardez sa campagne, sa dernière campagne, qui n'a été faite que sur ce thème, abroger et remplacer, il a donc décidé de faire autre chose, tant mieux, et j'affirme que nous avons encore une chance de le faire, on va finir par y arriver. Ce vote aurait pu prendre l'allure d'une formalité puisque les républicains bénéficient d'une majorité dans les deux chambres du Congrès. Mais en juillet, plusieurs figures modérées s'étaient élevées contre l'initiative de Donald Trump qui avait fait de cette abrogation une promesse de campagne. Il suffira désormais d'une seule voix de plus au Sénat pour mettre en échec le chef de l'État sur ce dossier.